Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je ne savais pas que j'étais en direct, excusez-moi. Bonjour, je fais cette vidéo. Attendez quelques petits réglages encore. Bonjour à toi, Simon Aranda. Comme je vous ai promis tout à l'heure, j'ai promis à Monsieur Duxaga. Je fais cette vidéo pour venir d'abord avec les audios que moi je lui ai envoyés. Bonjour à vous Gaël Fleur, je fais ce direct uniquement pour répondre encore à ce monsieur. Donnez-moi quelques instants, si vous êtes là, je fais le direct. Alors, donnez-moi quelques instants s'il vous plaît. Parce que j'essaie de caler les voices du monsieur et mes voices. Bonjour à tous, encore une nouvelle fois, c'est Antoine Bachot, votre humble serviteur. Je vais commencer parce que je n'ai pas trop de temps, j'ai pas mal de choses à faire. J'espère que vous arrivez à me voir parce qu'il y a un peu de soleil. S'il vous plaît, j'espère que le soleil ne vous gêne pas. Excusez-moi d'être dans le véhicule, j'avais des choses à faire puis je me suis arrêté. Donc je vais commencer dans quelques instants. Benbenkiri, Brenda Ivuna, j'espère que vous allez bien. Oui, le problème c'est que, je vais vous dire pourquoi je fais aussi le direct, c'est que lorsque vous êtes sali dans ce genre de vidéo, alors que la personne commet des actes qui ne sont pas, disons, bien, vous allez vers la personne, vous essayez de raisonner la personne. La personne coopère et vient après vous dire que vous lui avez demandé de l'argent. Je vous dis sincèrement que je ne suis pas un commissaire de police du Cameroun qui demande de l'argent. Je ne suis pas dans le besoin vis-à-vis de lui parce que moi je ne vis pas au Cameroun. Je ne suis pas un membre de la famille de ces petites filles qui sont affichées. Donc je pense qu'à un certain moment, il devrait essayer de faire une sorte de mea culpa et de rester tranquille. Mais le mec ne fait pas de mea culpa. Il vient carrément accuser les gens. Il accuse Janet, il accuse, comment on l'appelle encore, Eddie Boucan, et il m'accuse. Il dit que je lui ai demandé de l'argent. Et dans tout ça, il ne parle que d'argent. 20 millions à Janet, Eddie Boucan qui veut rentrer dans le groupe des hommes d'affaires. Mais écoutez, je lui demande de l'argent par rapport à quoi alors qu'on ne se connaît même pas. Donc, oui, je comprends Martin Marc, mais il faudrait parce que il y a des gens qu'on connaît qui, disons, qui viennent après, qui essaye de nous demander ce qui se passe en réalité. Mais je vous dis que si je n'ai pas voulu clasher ce monsieur dès le départ, c'est tout simplement parce que je voulais comprendre d'où venait le problème. Est-ce qu'il était affiché à tort ou alors il avait un problème particulier avec quelqu'un? Mais je vous dis que dès le départ, il ne faisait que m'envoyer des voices comme quoi on voulait le tuer. De toutes les façons, vous avez les voices sur mon mur. Vous avez les voices, tout ce qu'il me disait, je faisais un montage et je montrais à tout le monde. Parce que moi, je n'ai rien à cacher, si vous voulez. Le problème, c'est que moi, je me dis, il faut dire ce que les autres ne veulent pas dire. Et je n'ai pas eu cette vidéo pour le saboter. J'ai eu cette vidéo pour essayer de lui parler. Et je vous dis sincèrement que c'est ce que j'ai fait. Je suis allé vers lui en tant que frère camerounais pour comprendre ce qui n'allait pas. Donc maintenant, lui, il veut se faire voir. Il met les grands costumes. Il vient là avec la tête comme une hache amérindienne, ou c'est amérindienne, ou c'est quoi les Indiens que vous connaissez, le Tomahawk. Il vient là avec une tête, il secoue sa tête et il se met à dire que Antoine Bachot lui a demandé de l'argent. Je lui demande de l'argent par rapport à quoi? Est-ce que j'ai dit que je voulais de l'argent pour, je ne sais pas, pour ne pas l'afficher vu que la vidéo était partout sur les réseaux sociaux? Je vais lui demander de l'argent par rapport à quoi? Je ne comprends pas. Hein? Il vient, il se met à secouer la tête comme une hache indienne. Attends, je te demande l'argent que tu me sers à quoi? On ne se connaît même pas. Hein? Donc, je vais vous faire écouter les voices. Je vais vous faire écouter les voices que moi, je lui ai envoyées parce que sûrement il les a les voices. Donc je vous fais écouter les voices que moi, je lui ai envoyées. Et si vous voulez, après, moi, je fais un montage de ce qu'il m'a envoyé. De toutes les façons, on a eu un échange. Et après, il m'a inséré dans son groupe de pervers là, où on montre des filles nues. J'ai encore toutes les photos de ces filles nues. Et il vient demander pardon alors qu'il continue son sale boulot. Hein? Donc il continue à afficher les jeunes filles. Mais putain, mais ça c'est un pédophile, il faudrait qu'on l'arrête. Si moi j'étais au Cameroun, Monsieur Duxaga,
Avant de te bastonner, je devais d'abord bien, bien te souiller, t'amener au commissariat de police, on te bastonne correctement et après moi-même je te tape correctement, monsieur Douxaga. Ça, ce n'est pas la blague, hein. Parce que vous savez pourquoi moi je suis allé vers ce monsieur, c'est parce que je voulais lui dire que, ok, on peut tous commettre des erreurs. On peut commettre des erreurs. Mais écoute, arrête. Mais le monsieur, il n'a pas compris. Regardez la date des prochaines publications. C'était après les vidéos sur les réseaux sociaux. Et il fait une vidéo, un voice où il dit j'étais en train de faire mes plans bindastiques. Mes plans bindastiques. Écoutez le langage d'un monsieur de 43 ans. Mais tu es malade. Il faudrait que non seulement on t'interne, mais on te tabasse correctement. Je dis correctement, monsieur Douxaga, si j'étais. C'est parce que je n'ai pas mes gars au Cameroun et puis j'ai perdu certains contacts. On devait te suivre, te tabasser correctement. On te tape, tu perds la tête. Pas ce que monsieur le général Becker voulait faire de toi. Je te dis qu'on te tape, tu perds la tête. On te tabasse comme un voleur. Parce que ces petites filles-là n'ont rien demandé. Ces filles-là, ce sont ces filles-là qui ont faim. Moi, je n'ai pas faim. Bref, merci à Dieu, je n'ai pas faim. C'est ces petites filles-là que tu trompes. Pourquoi il n'y a pas de grandes filles parmi ces gens-là? Pourquoi il n'y a pas de grandes dames parmi ces femmes-là? Pourquoi ce ne sont que les gamines que tu trompes? Elles n'ont même pas 20 ans et tu n'as même pas honte. Tu viens dire que les gens ont demandé de l'argent. Mais qui t'a dit que tu as de l'argent? Tu es qui? Qui te connaît? Tu es qui pour parler d'argent? Qui te connaît? Hein? Il y a les gens qui se lèvent le matin, qui partent bosser. Vous faites vos petits plans à 2, 3, 4, vous volez de l'argent et tu viens dire que tu es un richissime. Tu es riche par rapport à quoi? À qui? Qui te connaît? Espèce d'abruti, tu viens là, tu secoues la tête comme ça, comme un mange-mille ou un corbeau, la tête comme la hache amérindienne. Tu viens nous dire qu'on t'a demandé l'argent. On te demande l'argent pour quoi? Tu sers quoi à qui? Hein? On n'est pas ici au pays où les enfants ont besoin d'argent. Voilà. Donc, je ne comprends pas pourquoi il vient avec cette affaire. Et après, on me dit que c'est une sœur sur les réseaux sociaux qui a dit que son ami Doug Saga. Hein? Son ami Doug Saga veut s'adresser par rapport. Au lieu de lui dire, va demander pardon, cet imbécile d'artiste aussi qui dit que son ami Doug Saga. Voilà aussi un problème qu'il y a dans notre communauté. On ne sait jamais dire à quelqu'un non, arrête. On ne sait pas dire à quelqu'un fait profil bas, demande pardon. On vient là, on dit parce que c'est mon ami Doug Saga, la star, la star. Putain, je suis là, je défends les gens comme ça lorsqu'on dit qu'elle est poum poum. Moi, je la défends. Et vous, un monsieur qui commet des actes comme ça, au lieu de lui dire arrête ça tout de suite. Mais c'est pas possible. On vient dire mon ami Doug Saga va s'exprimer. Et c'est comme ça qu'on défend toujours les gens qui ont tort. Moi, j'ai horreur de ça. Même si c'est mon ami, même si c'est mon frère, même si c'est mon père ou ma mère, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Donc, je vous fais écouter ce que moi je lui ai dit. Il n'y a eu que deux voix. Je vais vous faire écouter parce que moi j'aime la transparence. Je n'ai rien à cacher, on n'a rien traité ensemble. Je ne lui demande rien, je ne le connais même pas, je ne sais même pas s'il a de l'argent. Attendez, c'est pas possible. Comment on peut être aussi bas? Comment on peut être aussi bas? Je ne sais pas s'il n'a pas vécu quand il était plus jeune. C'est à 43 ans qu'il se met à sortir les filles de 16 ans. Putain, mais vous aussi ces jeunes filles de 16 ans. Putain, mais allez à l'école, faites quelque chose, un petit commerce. Vous n'allez pas toujours être là que lorsqu'un monsieur revient de France. C'est comme ça que vous vous mettez les doigts dans les fesses, dans l'anus, parce qu'un monsieur vient avec un peu d'argent, mais purée. Ayez un peu de personnalité. Mais c'est trop. C'est trop. Vous souillez tout le monde. Vous souillez tout le monde. On voit vos photos et après il y a une, on dit qu'elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Même le sang doit couler. Quand tu pleures là, même le sang doit couler. Ça veut dire que les larmes finissent et c'est le sang qui coule. Des imbéciles comme ça, c'est pas possible. Et on essaie de défendre les petites filles comme ça. Une autre femme se lève là. Hein? Après, elle va venir avec la croix à minuit, dit qu'elle veut prier pour libérer ou c'est quoi, 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 quoi. Ce n'est pas possible. Je voudrais qu'on arrête ce monsieur. Il a la chance que moi, je n'ai pas des amis bien placés au Cameroun. Je vous dis sincèrement, je voudrais qu'on l'arrête et qu'on le bastonne correctement dans un commissariat. Ça, je ne vous mens pas, hein. Je voudrais qu'on l'arrête et qu'on le bastonne, on le tape. Pas avec une matraque, avec la machette, le derrière de la machette. On le fouette correctement pour tout ce qu'il est en train de faire. Il rigole avec, il vient avec mon nom sur les réseaux sociaux. De toutes les façons, attendez, parce que je n'aime pas me mettre dans cet état. Je vous fais écouter le voice et puis moi j'ai des choses à faire.
je vous fais écouter les voices. Parce que c'est pour ça que j'ai fait ce direct. Si vous n'entendez pas, vous me dites, je pourrais faire répéter, il n'y a pas de solution. Vous me dites si vous m'écoutez après. Hein. Bonjour, 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 Doxaga, je suis Antoine Bachot, l'humble serviteur sur Facebook. Écoute, ici, moi je ne te juge pas. Je ne te juge pas. Le problème, c'est que je reçois des photos, je reçois une vidéo. Je comprends maintenant que c'est ton ami. Qui a monté tout ce coup. Mais s'il te plaît, vu que toute la toile ne comprend pas tout ça. Je me mets en direct. Attendez, j'ai des petits problèmes, hein. Je ne comprends pas pourquoi. Et quand tu veux, je t'invite, tu viens, tu te montres, tu parles, tu expliques ce qui s'est réellement passé. Moi, cet audio, je l'ai écouté chez Eddie Boucan, mon ami Eddie Boucan. Mais j'aimerais, dans un direct, que tu t'exprimes. Ou alors, si tu ne veux pas faire de direct sur Facebook, tu fais une petite vidéo, tu m'envoies, moi, Antoine Bachot, je me permettrai de faire un montage et de pointer du doigt la personne qui a balancé ça dehors. Parce que tout le monde parle, mais ne sait vraiment pas quelle est la vérité. C'est ce que moi je recherche, la vérité. Voilà, donc ça c'était le premier voice que je lui ai envoyé, parce que je ne comprenais rien pourquoi il était affiché. Il m'a envoyé une série de voice du colonel Becker, ou c'est du général, ou c'est de qui, je ne sais pas quoi. Ils ont des noms toujours compliqués, général Becker. Je ne sais pas d'où ça sortait. Donc maintenant, je vous fais écouter le deuxième voice que je lui ai envoyé. Si il y a, disons, si c'est nécessaire, je fais un montage de ce que moi je lui ai envoyé. Écoutez le deuxième voice. Ok, donc Saga du Cameroun, j'ai écouté, c'est Antoine Bachot, hein, j'ai écouté toutes tes voices. Donc si je comprends bien, ce n'est pas toi qui publie la fille. Il n'y a même pas une seule fille. Il y a plusieurs filles. Moi, j'ai les photos et tout et tout. Tu es en compagnie de ces filles-là. Et vous partagez les photos sur dans un groupe où c'est la sagacité du plaisir. Je ne sais pas. Bon, bref. De toutes les façons, c'est que les filles aujourd'hui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc, vous voulez savoir, mais qu'est-ce qui t'a motivé? Donc, je comprends maintenant que c'est Damas. Damas qui est ton ami, mais tu ne lui en veux pas. Et le général Becker, moi je ne sais pas pourquoi il voudrait te tuer. Il semblerait que le général Becker soit aussi fâché du fait que tu aies publié les filles. Mais c'est simple, tu dis au général Becker que ce n'est pas toi qui as publié les filles. Et il faudrait que tu présentes tes excuses. De toutes les façons, ce n'est pas la peine d'insulter tout le monde, de traiter les gens d'imbéciles ou quoi que ce soit. Je pense que quelque part, c'est de t'excuser que ces photos soient, disons, dehors. Et c'est cette vidéo... voilà, peut-être vous êtes, je ne sais pas si vous êtes, mais tu as dit que tu as 43 ans, donc à un certain moment, tu ne peux plus te retrouver en train de balancer les photos des filles, voilà, c'est privé. La petite fille, admettons qu'une de ses filles se suicide, pourquoi tu peux arriver? Moi, j'ai déjà le nom d'une de ses filles qui est sur Facebook. J'attends qu'elle m'explique pourquoi elle s'est retrouvée là. J'ai même appris qu'elle serait mineure et qu'elle aurait accouché récemment, donc je veux savoir ce qui se passe vraiment, pourquoi on en arrive là. Même si c'est la sagacité du plaisir, attendez, modérez un peu certaines choses. Donc moi, je voulais normalement avoir soit une vidéo, soit être en direct avec toi pour que tu expliques tout ce que tu dis là, pour que les gens puissent voir que tu es sérieux dans ce que tu dis. M'envoyer les voices comme ça, moi je ne sais pas ce qu'il y a avec Baker, ce que vous traitez ensemble, après c'est vous, entre vous les milliardaires. Nous autres, nous ne sommes pas milliardaires, tu comprends ce que je veux dire? Bon bref. Je vais essayer de partager ça pour faire comprendre aux gens que peut-être tu n'es pas responsable de ce qui se passe, mais faites aussi attention à vous, à ce que vous partagez. Des moments particuliers comme ça, il faut les garder pour vous. De toutes les façons, bon, je ne suis pas là pour vous donner des leçons à qui que ce soit et pour quoi que ce soit, mais et évitez d'exposer ces jeunes filles comme ça. Peut-être elles ont encore un peu... estime pour elles-mêmes et peut-être ont besoin de faire leur vie demain ou après-demain. Donc essayez de respecter leur intimité. C'est vrai qu'elles acceptent que vous les filmiez, mais essayez d'être
un peu plus respectueux vis-à-vis de ces jeunes dames. Bon, merci beaucoup. J'aurais vraiment aimé faire un direct ou alors avoir une vidéo où vous expliquez tout ce qui se passe. Pourquoi Damas a fait ça? Pourquoi vous ne lui en voulez pas? Pourquoi créer des groupes pour partager le sexe des femmes et vous-même? Je ne sais pas. Mais tout ça semble un peu satanique quand même à la limite. Ok, bon, ben portez-vous bien. Hein, si c'est pas possible, c'est pas grave. Bonne journée. Donc voilà, cher ami, voilà, chers amis, voilà alors pourquoi je suis allé vers Doxaga. C'était pour lui demander non seulement d'arrêter, et aussi de ne pas exposer ces jeunes filles. Parce que parmi ces filles-là, il n'y a pas une dame. Il n'y a que des enfants de 16 ans, 17 ans, 15 ans. Je ne sais pas pourquoi ils s'intéressent tant à ces jeunes, à ces petites filles. Donc on n'a pas parlé de pognon, je n'ai pas besoin de son pognon. Parce qu'au Cameroun, on pense que tout s'achète. Même la dignité des hommes, on pense que la dignité s'achète. On pense que pour ne pas être affiché, il faut payer. Moi, je ne traite pas de ça. Moi, j'essaye de parler très haut ce que les gens parlent tout bas. Moi, je viens avec des vérités. Même lorsque vous voyez des publications sur Internet, sur Facebook, lorsque vous voyez des vidéos montage, derrière chaque vidéo, il y a un message. Il y a un message. Regardez très bien. Derrière chaque vidéo montage, derrière chaque vidéo que je partage, il y a un message que je fais véhiculer, que je voudrais bien véhiculer. Je ne fais pas des choses comme ça pour faire rire la galerie, pour amuser la galerie. Ce monsieur s'est très mal comporté. Et je vous dis, si vous arrivez à rentrer dans leur, comment ils appellent ça, dans leur groupe WhatsApp, la sagacité du plaisir, ils ne partagent que les photos des jeunes filles. Et elles sont très petites, des gamines. Ce que nous devons tous combattre. Donc quand je vois par exemple les artistes dire que mon ami va venir s'expliquer, ton ami, tu sais déjà que c'est des conneries qu'il fait et c'est pas bien. Je vous dis, c'est pas bien. Il ne faut pas accepter ça. Voilà, donc avant de faire des vidéos à la con en secouant la tête comme une calebasse, il faudrait que tu dises aux gens la vérité. Et quand tu demandes pardon, tu te tais, tu fais profil bas. Tu n'as pas besoin de te vanter, on n'a pas besoin de te voir, on s'en fout. Il y a plus riche que toi, on s'en fout de ton pognon. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. L'argent n'achète pas tout, espèce d'abruti. L'argent n'achète pas tout, connard. Tu n'as pas besoin d'afficher ces jeunes filles-là. Je te dis que si moi, de toutes les façons, je vais voir comment on peut te retrouver. Je suis responsable de ce que je dis. Je dis qu'on va te tabasser correctement et tu vas regretter d'avoir affiché ces jeunes filles-là. Je te le promets. Je te dis que tu vas payer pour tout ce que tu es en train de faire. Moi, je te le dis. Et en plus, tu viens mentir sur mon nom. Tu me connais? Je vais te dépecer comme un poisson sol. Je vais te montrer que tu es un petit. Mon ami, tu es fichu. De venir dire ça en face, devant tout le monde, tu vas comprendre ta douleur. C'est moi qui te dis ça. Un parvenu comme ça. Tu viens, tu arrives sur les réseaux sociaux. Je t'ai dit que si tu veux devenir star, si tu veux devenir star, il y a des gens sur Facebook qui fabriquent et défabriquent. D'accord? Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui fabriquent et défabriquent. Moi, je ne suis pas là pour fabriquer les gens. Exclus-moi de la gamme. Je ne suis pas là dans tes conneries, espèce d'abruti. Regardez-moi un salopard comme ça. Il vient, il met une veste avec une tête rasée comme, je ne sais pas quoi, une noix de coco. Il vient dire que je peux te demander l'argent, ce qu'on est où pour te demander l'argent? Tu es mon ami? Tu es mon ami? Viens ici, espèce de con abruti. Viens ici, salopard. On se connaît où pour que je te demande de l'argent? Je fais quoi avec tes miettes? Je ne sais même pas. C'est même qui ce monsieur même? Il vend quoi, la friperie? C'est qui ça? Regardez-moi un abruti comme ça, il vient dire que je lui ai demandé l'argent, un fanfaron. Tu fais le con avec tes amis, on t'a dit que tout le monde est dans cette gamme-là? Ce que moi je fais et ce que je demande, il faudrait qu'on l'affiche afin qu'il arrête ce sale boulot. Parce qu'il est en train de continuer. J'ai des captures d'écran qui ne datent même pas d'une semaine, de quelques jours. Et là-bas, tout le monde se marre. Tout le monde est content, tout le monde se marre. Ce n'est pas logique qu'on laisse ce mec continuer dans ce sens-là. Je vous dis que j'ai des photos, mais ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, je vous dis ça fait mal. Et il vient faire des vidéos, il est soutenu par des abrutis, des cons, hein, les gens qui sont là accrochés comme les mouches tchétchés. On donne à mon ami va faire une vidéo, tout le monde. Des gens qui ne ressemblent à rien, moches comme des mouches tchétchés, imbéciles. Et je vous dis, si on ne se met pas ensemble pour combattre ce genre de choses, on ne va jamais y arriver. Je vous dis, on ne va jamais y arriver. Nous devons protéger notre jeunesse. Nous devons couvrir ces jeunes. Leur donner des conseils. Quand je vois les gens dire, mais ce ne sont pas les enfants, personne ne les a envoyés. Mais ce sont des gamins. Ce sont des gamins. Ce sont des gamines. Et n'ont pas la capacité de réfléchir. Ailleurs, on protège les enfants. Ailleurs, on protège des gamines comme ça.
Il faut les protéger, il faut continuer à leur donner des conseils. Et quand vous voyez un sale pervers comme ça, quelqu'un qui ne ressemble à rien, je vous dis qu'il est là comme une mouche tchétchée. Putain, c'est pas possible. Affreux comme tout, il ne peut que tromper des gamines. C'est pas possible. Et on est là, il y a des gens qui sont contre nous quand on essaie de faire un travail. Non, mais excusez-moi, Lindsay, Johanna. Je ne suis pas souvent dans. C'est pas comme. Même lorsque je suis fâché, j'essaie de gérer tout ça, j'essaie de parler toujours posément. Mais le problème, c'est qu'on vient mentir sur quelqu'un. Ça encore, je peux l'accepter. Mais le fait, c'est qu'il ment comme ça, il demande pardon, mais il continue toujours à afficher ses enfants. C'est pas logique. Comprenez-moi, c'est pas logique. Attendez. Et il est accompagné dans cette, disons, dans cette démarche par des personnes qui n'arrivent pas à lui dire que arrête, arrête, fais profil bas. Cache-toi, il fait des vidéos à la con, des voices à la con, avec un français qui chancelle comme un je n'aime même pas insulter les gens, comme un boiteux. Il parle du n'importe quoi, il raconte n'importe quoi. Bon, donc voilà ce que moi j'avais à vous dire. J'ai beaucoup de choses à faire, s'il vous plaît. Veuillez m'excuser si j'étais dans cet état-là, mais c'est que je n'aime pas certaines choses. Je n'aime pas quand le mensonge atteint son paroxysme. Donc, je voudrais que tout le monde soit d'accord pour qu'on l'arrête et qu'il arrête de publier ces jeunes filles. Je vous dis, c'est des enfants. Si Facebook le permettait, j'enverrais à qui que ce soit les photos récentes qu'il a envoyées sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Je vous dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc voilà, excusez-moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais devoir vous laisser. Bon. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous pouvez, à votre niveau, faites quelque chose afin que ce monsieur arrête de se pavaner en enseignant de mauvaises choses aux plus jeunes. Voilà, donc s'il vous plaît, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé et bonne journée, mais rassurez-vous, je n'ai jamais rien demandé à ce monsieur, je ne le connais pas, ce n'est pas mon ami, je n'étais pas là pour de l'argent, je voulais juste qu'il arrête. Et tous les montages que je fais, je voudrais que les enfants viennent me dire pourquoi ils sont arrivés là, pourquoi ils ont accepté ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de naïveté dans ce que font nos jeunes frères et sœurs, mais il faudrait à un certain moment qu'on leur demande d'essayer d'être un peu plus intelligent. L'argent ne peut pas acheter la dignité de ces jeunes enfants. Il faudrait qu'on leur dise que non, ce n'est pas ce à quoi sert l'argent. L'argent, si tu fais, disons, un métier, tu fais quelque chose, tu rends un service, on peut te rémunérer. Je ne veux pas qu'elles considèrent leur corps comme, disons, comme si elles travaillaient cet argent, mais pas à cet âge-là. C'est vrai qu'après, moi, je ne peux pas contrôler tout ça, mais je ne suis pas du tout d'accord. Voilà. Donc, Démanou, je ne suis pas content de toi. Je ne suis pas content que tu acceptes qu'un monsieur comme ça vienne sur ton mur et tu dis que ton ami Doug Saga, mon cul, ton ami Doug Saga, tu n'as pas besoin d'accepter ça. Tu n'acceptes pas ça. Et tu le condamnes. Et tu lui demandes de ne plus jamais faire ça. Je ne suis pas d'accord avec toi, Démanou. On ne fait pas ça. Quand un monsieur comme ça fait quelque chose, il prend ses responsabilités.